tout le monde, c'est Léa et Antoine pour Hello Superette. Cette semaine, on se retrouve pour avoir un ragoût, une petite robe portefeuille. Je t'avais dit que j'avais la pliante. J'avais plus d'un dé, pas de problème, moi ça m'arrange. On a utilisé un tissu magnifique de chez Little Fabrics. On a tellement rêvé de le coudre. Quand on l'a vu d'abord sur Instagram, moi j'en pouvais plus. On leur a vite écrit pour savoir si on pourrait en avoir et il n'y en avait plus. Et du coup, ils l'ont recommandé et en fait, ils ont finalement réussi à nous l'envoyer. Donc enfin, moi j'étais trop content, on était trop content je crois. Le tissu était encore plus beau en vrai. Franchement, ce tissu c'est une viscose. Il y a un poids d'élastane dedans. Ce tissu est magnifique. Il est tellement agréable. Enfin, les couleurs, le motif, j'adore tout de ce tissu. Aussi, le site de Little Fabrics, c'est un joli site. Moi j'aime bien traîner sur les jolis sites internet, je trouve que c'est important le design, tout ça. Ils font des jolies photos de leurs tissus qui les mettent bien en valeur. Donc c'est un site internet de tissus qu'on recommande clairement. Cette semaine on a cousu une robe portefeuille avec, donc on l'a pas encore terminée. On filme cette partie de la vidéo avant d'avoir filmé l'introduction. Les journées sont pas finies parce que on attend de voir Pauline qui va poser avec pour les faire. Donc normalement ce sera Pauline qui posera pour cette intro. Donc on lui fait des gros bisous. On remercie aussi le théâtre Georges Legge de Villeneuve-sur-Lot qui nous a gentiment ouvert ses portes pour qu'on puisse filmer l'intro de cette vidéo. Les robes portefeuilles, vous avez été pas mal à nous les demander. C'est un truc qui est assez simple à faire. On a décidé de sortir la nôtre pour la Saint-Valentin parce qu'elle a un peu des vibes romantiques, bucoliques, pleines d'amour, je trouve, pleines de sensualité. Bien oui, sexy sans trop. Est-ce qu'elle est sexy? Peut-être. Oui, mais pas vulgaire. Si c'est la première vidéo que vous voyez sur notre chaîne, bienvenue sur Hello Superette, on est une chaîne de couture et on vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste ici. N'oubliez pas de cliquer également sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, comme ça vous raterez aucune vidéo. Et on vous laisse avec le tuto. Et du coup, pour réaliser cette petite robe portefeuille, il vous faudra environ 2,50 m de tissu et un petit haut à vous, de préférence pas en jersey et légèrement cintré avec des manches. On va commencer par découper le dos de notre robe et pour ça, on plie notre haut en deux sur notre tissu plié en deux également. On fait bien attention en dessous du haut de laisser assez de longueur pour pouvoir créer notre robe. Nous, on a mesuré 90 cm en partant de l'épaule pour une robe qui va légèrement au-dessus du genou pour une femme de petite stature. Donc on découpe en suivant la ligne de l'épaule, de la manchure et la ligne du côté, et quand on arrive en bas du top, on dessine une ligne évasée pour créer la jupe. Et si, comme nous, le bas de la robe n'est pas très propre, on vient redécouper le bas également. Et on n'oublie pas de découper le col aussi sur notre dos, comme ça notre dos, il est fini. Pour découper nos deux devants, on va placer notre dos plié en deux sur notre tissu plié en deux également. Exactement comme tout à l'heure, sauf qu'on va décaler de 22 cm par rapport à la pliure de notre tissu plié en deux. Ça c'est pour créer la partie du devant qui va venir se superposer. Comme pour le dos, on va venir découper en suivant la ligne de l'épaule, de la manchure et du côté. Mais sur le milieu de nos deux devants, on va découper une grande diagonale. Et pour savoir où exactement la couper, on place un point sur notre pliure qui se trouve à peu près au niveau de notre taille sur la hauteur. Et on relie ce point directement à l'encolure. Ensuite, on découpe au niveau de la pliure et on obtient nos deux devants parfaits. Allez, on passe à la découpe des manches. On va venir placer une manche sur notre tissu plié en deux et on va venir découper le long de la courbe de l'emmanchure. Comme on fait habituellement dans nos tutos, on vous laisse une petite vidéo ici où on l'explique un petit peu plus facilement. Et pour obtenir une manche évasée à partir du point qui se trouve pile poil sous l'aisselle, on va partir en diagonale. Une fois qu'on a découpé cette petite courbe, à partir de sous le bras donc, on vient élargir notre manche pour créer une manche légèrement évasée. Et pour la longueur de la manche, on a pris 27 cm, mais on est venu la redécouper plus tard, donc ça n'a pas vraiment d'importance. Une fois que notre première manche est découpée, on vient en découper une deuxième en se servant de la première comme des modèles. Et on vient marquer le milieu sur nos deux manches. Allez, on va passer aux parementures. On commence par découper la plus simple, c'est celle du dos. On vient plier notre dos sur notre tissu plié en deux également. On va couper en suivant la ligne de l'épaule et la ligne du col. Et ensuite, on termine de découper la parementure dos en la découpant de quelques centimètres de large en faisant un petit arrondi. Pour notre
Pour découper les parementures devant, on va venir placer un devant sur notre tissu bien à plat. Et on va faire pareil que pour le dos, on va venir découper le long de l'épaule, du col et sur toute la ligne du devant. Et en utilisant la même largeur que la parementure dos, on va découper notre parementure de quelques centimètres de large sur tout le devant en dessinant une petite courbe. Si jamais c'est pas clair pour vous, on va essayer de caler un petit schéma à cet endroit-là pour que ce soit un petit peu plus visuel et plus facile à comprendre. Si comme nous, vous utilisez un tissu à motif, il va falloir découper la deuxième parementure devant symétrique à la première. Et une fois que vous avez vos deux parementures, vous marquez le haut avec une petite épingle, parce que c'est un petit peu compliqué de se souvenir de qu'est-ce qui est le haut et de qu'est-ce qui est le bas, qu'on n'a pas envie de se prendre la tête plus tard au moment de l'assemblage. Et enfin, pour la ceinture, on vient découper deux bandes de 6 cm de large et d'environ 1 mètre de long. Si vous pouvez faire plus, faites plus. Nous, je crois qu'on a fait un petit peu plus, mais je m'en souviens pas. On va d'abord venir former nos deux ceintures. Et pour ça, on replie les deux bords de nos ceintures vers le milieu et ensuite on plie notre ceinture en deux. On préforme le tout sous le fer à passer pour que ça tienne bien et on vient fixer le tout sous la machine avec un point droit. Au début, on y allait sans les épingles, on avait trop la confiance. En fait, c'est quand même de la viscose, ça bouge un petit peu, hein. Et du coup, on est venu placer des petites épingles parce que bon, les petites épingles, quand même, ça fait le job et ça nous a aidé à obtenir une couture un peu plus propre. Voilà. On commence avec les grosses étapes d'assemblage. On va venir assembler les deux devants au dos, au niveau des épaules, avec un point droit. On fait exactement la même chose avec les parementures, endroit contre endroit, on fixe au niveau des épaules et que ce soit pour les parementures ou pour le vêtement en lui-même, on va venir ouvrir les coutures au fer à repasser. Une fois que tout ça est assemblé, on va venir fixer nos parementures à notre vêtement, donc toujours pareil, endroit contre endroit, on fait correspondre les coutures au niveau des épaules, on peut aussi faire correspondre les deux pointes au niveau de la taille et on va venir épingler comme ça tout autour, mais attention, on ne passe pas tout de suite à la couture. Avant de passer à la couture, on va venir fixer nos ceintures au niveau des pointes, donc on en enfile la ceinture entre la parementure et le vêtement pour que ce soit un petit peu plus propre. Nous, on est venu enfiler la ceinture pile poil juste en dessous de la pointe sur le côté qui est bien vertical. On fait la même chose des deux côtés, on le fixe avec une petite épingle et maintenant on peut passer à la couture. Donc on fixe le tout à 1 cm avec un point droit. Une fois que c'est cousu tout autour, on vient coucher nos coutures en fer à repasser et on repasse notre parementure sur l'envers de notre vêtement et on va venir surpiquer à 2-3 mm le tout pour que les parementures restent bien à l'intérieur de la robe. Et comme le dit si bien Lisa, quand on fait une petite surpiqûre, il vaut mieux avoir l'endroit du vêtement vers nous, parce que la couture est toujours plus belle sur le dessus que sur le dessous. Et avant de continuer, comme notre tissu s'est filoché pas mal, on est venu surfiler les bords de notre parementure sous la machine. Et ensuite, on est venu fixer la parementure sur la couture des épaules, donc en faisant quelques points sous la machine, pile poil dans la couture de l'épaule, comme ça, ça se voit pas, et la parementure reste bien en place. Ensuite, on est venu fixer nos manches endroit contre endroit, en faisant correspondre le milieu de nos manches avec la couture de l'épaule. On épingle tout le long de la manche, et on passe le tout sous la machine au point droit à 1 cm. Et ensuite, on vient fermer les côtés de notre robe. Pour ça, on fait correspondre les deux coutures sous le bras. On part de ce point-là et on coud jusqu'en bas du vêtement. Et ensuite, on se remet sur ce point-là et on coud jusqu'en bas de la manche pour fermer la manche. Comme d'habitude, on repasse nos coutures comme d'habitude. Vous verrez sans doute que en bas de la manche, au niveau de la couture, la ligne n'est pas continue, donc on vient redécouper ça au ciseau pour que ce soit un peu plus facile de faire nos ourlets. Et vous allez voir, c'est bientôt fini, il suffit de faire une petite ouverture pour pouvoir enfiler notre ceinture à travers pour pouvoir fermer notre robe, hein. C'est tout le principe d'une robe portefeuille. Et pour ça, on va déterminer l'emplacement du petit trou au niveau de la taille sur l'une des deux coutures. Donc on marque cet endroit avec une épingle et on va venir découdre sur quelques millimètres, hein, la largeur de notre ceinture, pas plus. Et une fois que c'est décousu, on place deux petites épingles de chaque côté de notre petit trou et on va venir renforcer notre couture pour pas que ça se découse. Forcément, vu qu'on l'a décousu, il y a de grands risques que ça se découse. Donc on fait des bons allers-retours pour fixer le tout. Et pour finir ce petit trou en beauté, on est venu faire une surpiqûre tout autour pour fixer les valeurs de couture et qu'il n'y en ait pas une, qui est l'idée de sortir de ce petit trou pour que ce soit bien propre, quoi. On est venu finir notre robe en faisant des petits ourlets au bout des ceintures pour que ce soit un petit peu plus propre. Et on a fait des ourlets au bas de la robe et au bas des manches. Et votre robe portefeuille est complètement terminado. Terminada. Terminada.
On espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous tentez cette petite robe portefeuille pour la Saint-Valentin ou pas, n'hésitez pas à nous envoyer une photo sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez voir notre lookbook. Si vous voulez revoir notre lookbook, c'est par ici. Et surtout, n'hésitez pas à nous donner votre avis parce que c'est la première fois qu'on fait ça et on a besoin de votre aide pour s'améliorer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour toujours plus de vidéos. Et Léa et moi, on vous fait quoi? On vous fait d'énormes bisous et on vous dit... À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.